πάνω στην εξέγερση του 18 και αν θέλετε δυνατόν να το συζητήσει το κοινό με την τωρινή, θα έλεγα την ειδικευμένη απάθεια που έχουμε, που έγινε το λαό, και έτσι την κρίση που περνάμε και αυτά που βιώνουμε ως Ελληνίες. Si vous voulez, si vous préférez commenter à la scénario de décembre 2013, on commence à comprendre ce qu'est le groupe comme parti politique maintenant. C'est une question très difficile, parce que j'aurais envie de dire que c'est plutôt moi qui vous la poserai. Είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Μέχρι τώρα θα έλεγα και εγώ θα σας ρωτήσω να μου πείτε. Parce que, bien sûr, vous connaissez mieux la situation de l'Inde que moi. Vous connaissez mieux la situation de l'Inde. Mais je peux dire un mot quand même. Alors, ça va en avant bien, Alex. Il me semble que les émeutes de la jeunesse en Grèce. Je vous disais que c'est une jeunesse en Grèce. Ont été portés par la conviction que le régime politique lui-même était contestable. Donc c'était de vraies émeutes. Voilà. C'était de vraies émeutes. C'était des émeutes au sens où c'était défini. Des émeutes, c'est contre la politique dominante, contre la politique gouvernementale. Il a dit l'exégèse était, avec une aide pour les gens de l'exégèse, c'était une άμεση αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής, της κυρίαρχης κυβέρνησης, του κατεστώτερου. Et je pense que la crise actuelle est une crise qui en réalité n'a pas de rapport véritable avec le gouvernement, justement. Parce que c'est moins une crise des gouvernements qu'une crise de ceux auprès de quoi les gouvernements de ce que sert le gouvernement. Il n'est pas tant une crise du gouvernement, c'est une crise de ceux qui hyperédit le gouvernement. Dans tout l'Occident, qu'on dit le gouvernement. Les gouvernements ont dit qu'il arrive une crise très dangereuse et très malheureuse. Et il faut absolument sauver le système. Mais ils n'ont pas dit le système, c'est nous. La vérité, quand même. C'est très intéressant de voir ça. Les gouvernements partout ont fait comme s'ils étaient extérieurs à la crise. Et devaient en quelque sorte sauver la population des menaces de la crise. Et cela a rendu les émeutes il y a. Ça a rendu les émeutes il y a 3 ans comme quelque chose qui était à côté de la nouvelle question et pas dans la nouvelle question. Et c'est vrai qu'il faut dire la crise a été utilisée dans le monde entier comme un nouveau prétexte de répression populaire par le gouvernement. En même temps que le gouvernement déclarait qu'il n'y était pour rien dans la crise. Il se présentait comme protégeant comme il pouvait la population. La crise a été traitée comme si elle était un tremblement de terre ou une tempête. Η κρίση αντιμετωπίζεται σαν να είναι ένα σεισμό. Παρακολουθούν κάποιο χώρο, το εκδερμό, είναι απολύτω responsable. Και όχι σαν κάτι το οποίο η κυβέρνηση είναι απολύτω υπεύθυνη. Vous pas oublier que la politique de libéralisation financière. Επιτευγάται ότι η πολιτική τη χρηματοπιστωτική φιλελευθερωποίηση.
Tout le monde sait qu'elle est à l'origine de la crise systémique. A été le produit de décisions gouvernementales. En France, par exemple, quelque chose de très remarquable, c'est que toute libéralisation financière a été faite par le gouvernement socialiste, le gouvernement de la gauche. Donc il y a une responsabilité systématique des gouvernements dans la crise, en même temps que les gouvernements se déclarent en train de trouver les remèdes de la crise. C'est quand même comme un médecin qui nous a flanqué la maladie. Et qui après départ, il va vous soigner. C'est une manière de gagner sa vie pour un médecin. Il vous file la maladie et après il vous soigne. C'est exactement comme ça. Et ça, ça a plombé les mouvements antérieurs à la crise. Parce que les gouvernements qui étaient attaqués ont déclaré une sorte d'état d'urgence à propos de la crise dont ils étaient pourtant responsables. Et cet état d'urgence a paralysé les forces populaires. Comme si on leur disait, il y a une telle menace qu'il faut bien que vous fassiez confiance à votre gouvernement. Sinon, vous allez être balayé par une catastrophe sans précédent. Et c'est effectivement un problème compliqué. Parce qu'à beaucoup d'égards, la catastrophe, c'est eux, justement. C'est toujours l'histoire du pompier qui a mis le feu. Mais comme il n'existe pas d'idée forte pour sortir de l'aspect économie de marché, comme au fond, en réalité, nous ne savons pas vraiment comment sortir de l'Occident aujourd'hui. L'Occident s'est en déclaré lui-même en crise. Tout mouvement qui ne traite pas de crise est évidemment affaibli. Voilà pourquoi je pense que beaucoup de mouvements tout à fait intéressants des premières années 2000 ont été affaiblis par la crise. Parce que la crise déplaçait la responsabilité gouvernementale. Et qu'aujourd'hui, de ce point de vue-là, l'action est en effet très difficile. En Occident. Il est caractéristique que les phénomènes de grande ampleur aujourd'hui se produisent à l'extérieur de l'Occident. Et ça prouve que la crise a des effets de paralysie en Occident. Paralysie populaire. En même temps que la crise a au contraire des effets mobilisateurs à l'extérieur. Et pour nous, la pensée politique doit être à l'échelle du monde. Et évidemment, nous devons considérer le combat des Tunisiens, des Égyptiens, etc., comme le nôtre. Et considérer là-dedans comme si c'était nous qui le faisions. Tout ce qui peut préparer, rappeler, solliciter. Une sortie de l'Occident. Étant entendu que
À l'heure actuelle, les combats principaux, c'est plutôt ne pas y entrer. Et comme le disait Dimitri, ne pas y entrer est aussi difficile qu'en sortir. Προσπαθούμε να σπάσουμε το κοινοτικό δικαίωμα και κοινοτικό πνεύμα, εφόσον κεντρικό πυλώνα τους, κομβικό στοιχείο τους έχουν το εγωιστικό άτομο με τις επιθυμίες του, που στηρίζει τον καταναλωτισμό φυσικά και ουσιαστικά ανοίγει τις αγορές στο δυτικό εμπόριο, στο παγκοσμιοποιημένο εμπόριο. Στη διαδικασία να πω κάτι, επειδή υπάρχουν κι άλλες ερωτήσεις, αν μπορούν να μαζευτούν και να απαντηθούν. Ωραία, λοιπόν, δεν είναι επίσημο. Αλλά πολύ συγκεκριμένα, όχι για το ποτέ. Τρεις ερωτήσεις. Ναι, τέσσερις είναι, έτσι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ένα, ένα. Par rapport à des civilisations très occidentales, comme vous voyez le terme,
κοινοπάει λέω παιδιά, κοινοπάει λέω Μαξ, κοινοπάει λέω Κάμψο. Με την καλό λόγια είπα ότι ανάμεσα στα Ιράν και σήμερα υπήρξε και τα κυρώματα της Λατινικής Αμερικής και το Νεπάλ. Υπήρχαν και τα κινήματα της Λατινικής Αμερικής και το Νεπάλ. Πώς μπορούμε να τα θεωρήσουμε και αυτά όντας εκτός της ιδιωτικοποίησης και ότι αντί για τη λέξη κρίση, ίσως είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε το καπιταλιστικό σύστημα και μάλιστα την κυρία την ιδεολογία του σήμερα το νεοφιλελευθερισμό. Πρώτα απ' όλα, είμαι σύμφωνο με την ιδεολογία των ενωφοριών δικαιωμάτων. Α
servi de cheval de Troie pour la propagande occidentale. C'est incontestable. D'ailleurs, j'ai écrit dans mon petit livre l'éthique, j'ai donné une description précise de ce point. Έκανε μια ακριβή περιγραφή του πράγματος του συγκεκριμένου. Parce que dans l'expression de droit humain ou droit de l'homme, il y a un problème. Le problème est de savoir, ce problème est de savoir comment vous définissez homme ou humain. Et on peut montrer que homme, humain, dans les droits de l'homme, c'est une définition très particulière qui tantôt définit l'homme en fait comme un animal vivant, c'est-à-dire la victime souffrante, etc., le corps supplicié, le corps torturé. Définit l'homme comme le citoyen occidental. Alors, les droits de l'homme, c'est l'homme occidental s'occupant des victimes ailleurs. C'est pour ça qu'on a vu apparaître quelque chose de très curieux. C'est le militaire des droits de l'homme. C'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable. J'avais dit que une création de l'Occident, tout à fait étonnante, c'était le parachutisme humanitaire. Voilà, donc ça, sur votre question, je pense que l'Occident dit un peu autre chose que simplement système capitaliste. Bien entendu, il y a cet capitalisme, d'accord avec vous. Si vous avez ça, et qui a des arguments solides. Et pas mystère,
είναι για την εξπορτασία του τραβάιου. Γιατί να είναι σόλιδα την υπερμετάλλευση της εργασίας κλπ. La critique du système démocratique parlementaire est beaucoup plus difficile. Il est beaucoup plus difficile de critiquer tout à ce coup qu'il a voulu faire pour le système. Et comme on sait, c'est en partie sur cette question que les États socialistes ont échoué. Et on peut dire que c'est une question de la société, mais il y a un peu à peine de la société. Malgré tout, l'État qu'ils ont construit était trop décevant. Είναι το κράτος που φτιάξανε είναι θεωρητικά δεσποτικό. Ωραία, τέτοιο. Pourquoi je propose en politique, je veux dire en Occident, ce qui ne veut pas du tout dire qu'on abandonne la critique du système capitaliste. Γι' αυτό προτιμάω και χρησιμοποιώ τον όρο κρίση, χωρίς αυτό να σημαίνει ποτέ ότι θα εγκαταλείψουμε σε γενική στιγμή την κριτική του καπιταλιστικού συστήματος σαν τέτοιο. En ce qui concerne les questions de la technologie, d'Internet. Όσον αφορά την ώρα του λέγεται Internet και την τεχνολογία. Moi, je pense qu'aucune technique n'est politique par elle-même. Pistevo che camia tecnologia non è tecnologia, non è apomonica politica. Il est absolument clair que tout est la question de savoir quels sont les principes d'usage de la technologie. Le thème est quelles sont les aspects critiques de la technologie. On apprend aujourd'hui que le gouvernement égyptien a bloqué Internet en Égypte. Non, mais c'est une armada qui est diverse, mais les Français ont Internet sur Internet. Ça prouve qu'Internet servait aux démunis. Ah, Internet. Par ailleurs, on sait que Internet sert aussi aux grandes firmes, au capital, etc. En plus, c'est vrai que Internet se mobilise sur les grandes entreprises. Donc on voit bien que toute technique est traversée par la contradiction politique. Alors, chaque technique, chaque technologie, diapernate από την αντίθεση. Après tout, au XIXe siècle, ça a commencé par les fusils. Les fusils, ils étaient dans les mains des émeutiers ou ils étaient dans les mains des Je pense qu'il faut toujours partir des principes d'usage d'une technique et non de la technique elle-même. Sur la question de la violence, j'ai aussi remarqué moi-même et j'ai écrit sur le point que le mot terroriste. Έχω παρατηρήσει και εγώ και έχω σημειώσει ότι η λέξη τρομοκρατία έχει χρησιμοποιηθεί από πάρα πολύ καιρό για λόγους καταστολής. Σαν θεμελιακή κατηγορία. Il faut savoir que c'était le mot utilisé par exemple par les Allemands contre les résistants. En tout cas, les tromocrates en Allemagne ονομάζαν τους αντισημιτικούς. Les résistants étaient appelés des terroristes. Τους λέγανε ξεκάθαρα ότι είναι τρομοκράτες για κάτι. Donc, il faut se méfier de ce mot. Il faut se méfier de ce mot, il est très souvent. Αυτό πρέπει να είναι μια εμπιστοσύνη στην κρίση της λέξης τρομοκρατία. Et là encore, je dirais, il n'y a pas de question de la violence en soi. Και από την άλλη, δεν υπάρχει ένα ζήτημα της βίας καθ' αυτής. Tout dépend des principes et des situations à l'intérieur desquelles il y a ou il n'y a pas de violence. Εξαρτάται από τις συνθήκες και την κατάσταση μέσα στην οποία ασκείται ή δεν ασκείται η βία. J'ai toujours pensé que si on vous attaque, il faut se défendre. Πάντα πίστευα ότι αν σου επιτεθούν πρέπει να αμυνθείς. Prenons-le comme on veut, mais on ne peut pas, personne ne peut éliminer cette nécessité. Si vous créez quelque chose, si vous créez un lieu politique nouveau, si vous créez une organisation politique nouvelle, qu'on veuille vous détruire, il faut se défendre. Je ne peux pas sortir de cette nécessité. Η αναγκαιότητα να αμυνθείς από τους επιτίθεται, αν δημιουργήσεις κάτι καινούργιο, αν δημιουργήσεις ένα πολιτικό χώρο καινούργιο, αν δημιουργήσεις μια πολιτική οργάνωση. C'est toujours un peu bizarre de voir un État avec une police, une armée, etc. Exiger que vous soyez
mais c'est une vierge. Nous n'aimons pas la violence. Je n'ai pas de vierge. Mais quand même, on n'admettra pas non plus que des violents exigent de nous d'être non violents. À la dette, la tour est portée et bien la correction, la romance, elle est une vierge. Et donc, la violence n'est pas un principe politique par elle-même. Mais la non-violence n'est pas non plus un principe politique par elle-même. Voilà. Si la non-violence marche, c'est mieux. Mais il faut se défendre. Et enfin, en ce qui concerne la question sur la propriété, sur cette question, je suis assez marxiste classique, finalement. Je pense qu'il y a un lien historique entre État et propriété. Connaissez le livre de Van Gogh. L'origine de la famille, de la propriété de l'État. Et la voyance moyenne, c'est le fessier de Pratus. Ou Engels démontre, je crois. Ou Engels a pas écrit qu'entre ces trois éléments, la famille, la propriété et l'État, il y a un lien oppressif constitué. Parce que la famille est le lieu de conservation de la propriété, de transmission de la propriété. Et que l'État protège ce lien. De propriété privée, propriété familiale, c'est pas une large branche. Et alors, je crois que nous devons conserver l'idée que la politique doit créer un État. Je veux dire par là que l'idée de création est certainement liée à ce que Marx appelait la libre association. C'est-à-dire une libre association qui n'est pas séparée de la création elle-même. Voilà, et donc je conclurai en disant que sur ces points fondamentaux, je reste communiste.